Christine Herzen, la reine des bisous. Comme chaque matin, la reine attend des visiteurs importants. « Maman, dit sa petite princesse, je n'ai pas le temps, ma chérie, demande à ta gouvernante. »« Mais maman, je voudrais juste quelques bisous. J'ai trop de travail, ma chérie. Prends mon avion et essaye de trouver la reine des bisous. » Aux commandes de l'avion, la princesse se sent aussi légère qu'un oiseau. « Mais où cette reine des bisous pourrait-elle bien se cacher ?» se demande la princesse. « Peut-être dans ce château qui ressemble à un gâteau ?» Une reine aux cheveux crème fraîche sort de la bonbonnière. « Bonjour madame, dit la princesse. C'est vous la reine des bisous ?»« Non mon chou, je suis la reine des gâteaux. » Si tu veux, je vais te montrer comment devenir experte en pâtisserie. D'accord, dit la princesse. Tu es très doué, mon canard en sucre. Nous allons nous régaler. La princesse s'amuse vraiment bien, mais elle doit partir. La reine lui offre alors quelques gâteaux pour sa maman. « Au revoir, reine des gâteaux, et merci beaucoup !» Pendant ce temps-là, dans son palais, maman reine grignote des biscuits. Elle est épuisée. Quelle journée fatigante! La princesse remonte à bord de l'avion, et depuis là-haut, elle aperçoit un arbre peuplé de chats. « Quand on aime les chats, on aime sûrement les caresses !» se dit la princesse. « Ici, je trouverai peut-être la reine des bisous. »« Bonjour, madame, » dit la princesse. « C'est vous la reine des bisous ?»« Non, ma puce, je suis la reine des chats, » lui répond une belle dame noire. « Je recueille les chats perdus pour les offrir aux enfants qui se sentent seuls. » La princesse s'amuse vraiment bien, mais elle doit partir. La reine lui offre alors un chaton pour lui tenir compagnie. « Au revoir, reine des chats, et merci beaucoup !» Pendant ce temps-là, dans son palais, maman reine se sent un peu seule. Elle n'a même pas un vrai chat à qui parler. « Quel château rigolo !» se dit la princesse, de retour dans le ciel. « Une reine qui s'amuse doit sûrement aimer les bisous. » Allons voir ça de plus près. Donc votre spécialité, c'est le jeu ? Demande la princesse en lançant les dés. Eh oui, ma poupée, je suis la reine des jouets. La princesse s'amuse vraiment bien, mais elle doit partir. La reine lui offre alors un ballon pour jouer avec sa maman. Au revoir, reine des jouets, et merci beaucoup. Pendant ce temps-là, dans son palais, maman reine joue toute seule. « Ce n'est pas amusant. Je me demande où est ma fille, » se dit-elle. Tout là-haut, la princesse commence à tourner en rond. Elle ne sait plus où aller. « Vais-je enfin trouver la reine des bisous ? Si on interrogeait la dame au chapeau, » suggère le chat. « Connaissez-vous la reine des bisous ? » demande la princesse. « Non, ma rose, moi, je donne des bisous à mes fleurs pour les aider à grandir. »« Vous êtes la reine des fleurs, alors ?»« Oui, c'est moi. Viens, je vais te montrer mon jardin. » La princesse s'amuse vraiment bien, mais elle doit partir. La reine lui offre alors quelques fleurs. « Au revoir, reine des fleurs, et merci beaucoup !» Pendant ce temps-là, dans son palais, maman reine se sent de plus en plus triste. Sa petite fille lui manque terriblement. La nuit commence à tomber. Il reste peu de temps à la princesse pour trouver la reine des bisous. Là-bas, les lumières brillent encore. Il lui reste une chance. « Bonsoir, madame, » dit la princesse. «
C'est vous la reine des bisous ? Non, ma petite étoile, je suis la reine de la nuit. Je raconte des histoires pour chasser les cauchemars. Viens, je vais te lire mon conte préféré. Il était une fois une reine qui se sentait très seule dans son palais. La petite princesse songe aussitôt à sa maman. « Je dois partir !» s'écrie-t-elle. « Au revoir, reine de la nuit, et merci beaucoup !»« Vite, petit chat, rentrons à la maison. Je n'ai pas trouvé la reine des bisous, mais tant pis, c'est maman que je veux !» Le petit avion rouge glisse dans la nuit. Puis, un nouveau jour se lève. « J'arrive, maman, j'arrive !»« Regarde, maman, je t'ai apporté des cadeaux. Plus tard, mon trésor, plus tard. D'abord, je veux te donner des bisous, beaucoup de bisous. »« Tu sais quoi, maman ? C'est toi, la reine des bisous !»